Et du coup, nous revoilà sur un nouveau jeu. Hop. Waouh, le son! Est-ce que c'est seul? Non, c'est sûr. Hop, je vais juste mettre à jour le stream découvert de l'infini. Hop. Regardez, je suis une fusée! Mes oreilles, elles sont décédées à peu près 12 fois. Wouh! Bah putain. Alors, pour commencer. On va aller dans les options. Dans l'audio et on va baisser ça, voilà, à la moitié au moins. Voilà. Au niveau du jeu, langage français, ce serait mieux. Effectivement, on va mettre en QWERTY, bien sûr. Et on va pouvoir jouer. Oh, on a un double jump. On peut sauter deux fois. Wow. Très bien. Très bien. Ça m'a pas l'air trop compliqué. Log 1 racine. On va regarder ce que c'est. Elle plonge au cœur du cyclone, là où finissent les formes volantes. Personne ne sait jusqu'où va ce truc. Personnellement, ça me fout la frousse. Je m'imagine souvent plonger à l'infini, hurlant en silence. Pour le restant de mes jours, je ne veux pas finir ici depuis le temps. Nous savons si peu. La structure n'arrête pas de changer. Des portes s'ouvrent, d'autres disparaissent. Et certains d'entre nous ne reviennent jamais. À chaque fois que je plonge, je prie pour retrouver le chemin de la maison.
Ok, donc ça allait être... Merde, je suis con. Je sais pas, je me suis dit qu'en appuyant sur R, j'allais pouvoir recharger, mais... On est pas sur CSGO. Non. Hop. Hein? Oh! Ah, oh, je m'y attendais pas. Wow. Je sais pas pourquoi je fais ça. D'accord, j'ai pas compris, mais ça doit être un skin de quelque chose. Quoi ? Oh, c'est... Oh, nice. Nice. C'est cool, ça. Étincelle, une sur deux. D'accord, il y a pas... Ah oui, il y a plein de trucs de cachés, en fait. Bon, le son a l'air quand même vachement fort, donc je vais encore le baisser, je pense. Putain, on a complètement changé d'endroit.
Audio, hop, hop, voilà, 20. Alors. Bien entendu. Ah oh. Très bien. What? Mais attends, mais il y a un passage là. Mais attends, mais what? Oh, oh, quoi? Ok, j'ai compris. Salopio. Ah, bordel. Aïe. Wouh!
Très bien. Non! Ah, c'est chaud. Suicide X. Non. Ah ouais, non mais grave, mais... En vrai, c'est compliqué. Enfin, faut savoir où aller et tout. C'est... Enfin, surtout là où j'en suis. Avant, c'était assez soft. Mais bouge. Billy. Ouais, c'est assez, assez compliqué comme jeu. Ah, j'aurais presque pu. Ah, mais en fait, faut que j'aille là. Oh. J'ai un peu du mal à comprendre ce qui se passe. Trop de complexification. Quand tu te suicides. Aïe. Merde, putain. Comment je suis censé faire en vrai? C'est trop compliqué. On peut s'accroupir. C. X. Non. E. J'ai pas de touche pour m'accroupir. Ah, peut-être que je fasse juste de gauche-droite, peut-être. Bon, bah, ça a à peu près marché. Ah non, pas du tout. Mais non, c'est mon pull. Mais non. Merde. Bon, bah tant pis. Ah. T'appelles ça un caleçon, toi? Un caleçon avec des manches? Mais non, c'est mon blouson et... Non, ça c'est une paire de chaussettes, par contre. Mais non, il n'y a pas de caleçon. Ça, c'est un caleçon. Bah non, je vérifie pas, je te montre que non, il y a pas de caleçon qui traîne. Pourquoi des caleçons? Genre les caleçons, ça a rien à foutre là. Les caleçons, tu les fais sécher toi? Enfin ça, je les fais pas sécher, mais ça je les pendouille juste, mais logiquement bah de loin on aurait cru. Ah. Cela veut donc dire que tu crois.
J'ai failli faire de la merde et je l'ai fait. C'est pas j'ai failli, c'est je l'ai fait tout simplement. Merde. Putain. Ouais, mais tu l'as fait sécher pas pendant 12 ans, genre. Mais non. Putain. C'est pas possible. Avoir le cul mouillé, c'est pas top. Non mais je comprends, mais logiquement les caleçons, tu les fais pas sécher pendant 12 ans, tu vois. Genre ça, logiquement un caleçon ça traîne pas, tu vois. Ou alors c'est que tu gères mal tes machines, mais... Je suis débile. Bon sinon ça va, c'est Dix. Yay. Ah, tu bosses là? D'accord. Toi, t'as de la chance de pouvoir regarder des streams quand tu bosses. Moi, j'ai pas cette chance. Je n'ai pas cette chance. Non! Ça lui dit à quoi? Ah, moi je peux pas du tout. Moi je suis coincé à bosser. Oui! Ah merde! Ah, il y en a d'autres! Oh, ça a l'air rigolo ici! C'est même plus simple. Que j'ai rien à faire, oui, sinon c'est plus délicat. Oui, je confirme. Tu fais que manger au boulot? Ah, en épicerie. Ah, effectivement. Effectivement, ça peut être cool. Waouh, je m'y attendais pas. Oui, salut! Dommage. Il aurait pu y avoir un petit bonus. A priori, le bonus est là. Et je ne pourrai jamais le choper! Ah, bah en fin de compte, peut-être que si. Ah ouais, putain, c'est cool! Oh, c'est fini déjà, putain. Avant je bossais dans un magasin au rayon fruits et légumes. Ah, nice. Ça aussi ça doit être pas mal. Ah. Très bien. C'était du bait.
T'es fait exprès. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ah! Eh! Non! Yes! Non! Je vous aime beaucoup! Eh! C'est bon. Dash! Alors c'est bien, mais je fais comment? Oh! On a combien de dash? Oh! C'est une jauge! Très bien! Hop là. Dash surveillé, limité, restriction, jauge, effectivement. Vas-y. Dommage. Hop. Ouais, je te le confirme. Ah merde. Après, le principe du jeu est assez simple. Qu'est-ce que je fais comme connerie, moi? Non. Hop, nice. Ha. Bien entendu. Mais alors je suis censé aller où du coup? Ah c'était... What? Hein? Je comprends pas, je devais aller par là? Mais je venais de par là. C'est... Ok. Très bien. On va avoir du mal hein. Mais... Waouh. Ouais, j'ai du mal à gérer la distance. Hein. Hop, c'est bon. Petit jump. Reboost. Petit passage. Obstacle, rituel, épreuve. Oui. Ah non.
What, c'est super chaud. Danger, épreuve, épreuve. Ah, en fait, fallait utiliser le... Enfin, quand t'es dans les airs et que tu dashes, ça te fait encore planer et tu restes à la même vitesse. Du coup, c'est plutôt intelligent. Sauf que là, c'est très compliqué. Enfin, là, c'est plus compliqué parce qu'il faut atterrir sur... Comme ça. Wouh! Ah les salauds. Ils m'ont bait. Forcément. Savoir cliquer dessus. Non mais en vrai c'est super compliqué là. C'est... En fait ce qu'il faut faire c'est... Voilà, désactiver ce bordel et avancer. Mais c'est vraiment pas facile. Bon bah là j'ai débloqué un secret du coup. Ah non! C'était pas ça a priori. Oh, par contre, ça c'était ça. Nice. Bah oui. Bah oui, bah oui. Wow. Ouais mais c'est trop compliqué là. Donc ça, ça va. Et c'est après. J'aurais dû faire l'inverse. Bon, en soi, c'est juste un jeu. Ouais, c'est ça. C'est juste un jeu où faut être rapide. C'est du speedrun. Et c'est un die and retry, c'est-à-dire que chaque fois que tu meurs, tu recommences. Ah! Bah, pourtant. J'avais pas l'impression que quand on dashait, on redescendait ou on. Ouais, si on s'arrête bien en cours de route. C'est à la fin du dash. Ah en fait c'est peut-être parce que je le ferai trop tôt et du coup il a le temps de descendre. J'aime bien les jeux où faut speedrunner. C'est assez sympa. Enfin, j'aime bien le style. Puis surtout là il y a plein de mécaniques de gameplay différentes. C'est vachement sympa. Ceci ne sert à rien par contre. Putain, c'est très embêtant ça.
J'arrive pas à passer ce moment. Je suis tombé au dernier. La vie passionnante d'un gars qui essaye tant bien que mal. Ah! Y arriver. On va y arriver, on s'en sortira. C'est ce moment-là où j'ai envie de glitcher un peu le jeu et... Pas obligatoirement sur les vieux jeux. C'est vrai qu'on dit que les vieux jeux sont difficiles, mais bon, si c'est pour faire du speedrun sur un point and click... Ça me paraîtrait un peu compliqué. Enfin, pas compliqué, mais... Trop long, je pense. Non, non, mais ouais, sur les jeux genre Ghosts and Goblins, tout ça... pourquoi pas, mais bon... C'est bien de jouer à des jeux qui sont sortis, qui sont récents. Et de découvrir de nouveaux gameplays aussi, comme avec Mirror's Edge. Oula. Même pire, hein, en mode pacifiste. Pacifiste, une horreur. C'est du par cœur sur Cuphead. Oui, bah oui, oui. Oui, je pense bien. Oui, c'est sûr que Cuphead, c'est pas un vieux jeu. Putain, j'arrive pas à passer ce temps de moment, quoi. J'ai fait l'inverse. Ah, c'est trop embêtant. Genre Doom. Doom, ça va, c'est pas trop compliqué comme jeu. Sérieux, Sam aussi. Je suis trop bête. Ou Duke Nukem aussi. Y'a quoi d'autre comme vieux jeu speedrunnable vachement cool? Au niveau des vieux jeux, je sais pas trop. Y'a si les Rayman, mais bon, les Rayman c'est... Ouais, mais Dark Souls c'est pas vieux, c'est pas rétro, tu vois, c'est pas... Mais non! Tintin au Tibet, mais quelle horreur! Quelle horreur! En vrai, les vieux Astérix, ça va, je trouve. Tintin au Tibet, c'est pas un jeu, ça. Si t'as envie de te détruire le cerveau, tu peux, mais
c'est insane ce jeu. Si, les Castlevania par contre. Castlevania sont vachement bien. Je suis trop bête, je suis... Ah! Bon après je t'avouerai que je préfère les nouvelles versions de Castlevania, même si c'est celle de GBA quand même. Mais je préfère celle de GBA que celle qui était sortie sur NES où c'est moche tout ça quoi. J'aime bien les versions en petite... comme pas en petite résolution. Megaman, oh là là. Oh. Megaman. Ah ouais là c'est... insane. Enfin pour le speedrun... Enfin déjà pour faire le jeu. Bah Super Meat Boy ça c'est un jeu fait pour le speedrun, hein. C'est avec un timer et tout. Mais non! Oh là là! D'ailleurs Super Meat Boy que je n'ai jamais terminé. Que je terminerai d'ailleurs jamais. Oh, ça me saoule. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Bah oui, en même temps ce jeu est tellement dur. Et pourtant j'étais arrivé au boss final hein, mais oh, non, c'était trop dur pour moi là. Du coup, Lady Aqua, à quoi joues-tu en ce moment? Parce que tu nous parles de jeux rétro, de speedrun, tout ça, mais... Quels sont tes jeux du moment? Ah ok. Ouais DVD moi aussi j'aimais bien. Bon après j'ai un peu tilt dernièrement sur le jeu mais mais sinon ouais j'apprécie aussi. Non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais d'où? Oh là là. Ah oui d'accord. Ah oui ça commence à faire effectivement. Ça fait depuis combien de temps que t'as un taf? Ça fait depuis longtemps ou c'est juste que là ça te prend trop de temps avec bah, le taf? Ouais franchement Murderous Pursuit c'est un putain de bon jeu. Après j'avoue je sais pas si je l'achèterai un jour mais...
Nice. Ah merde. Ah je l'avais. Ok j'ai compris, understood of course. Ah oui d'accord. Ah ça après la santé. Ah bah non. S'il y a un truc à faire, j'y vais. Bah j'aimerais bien mais bon. Bah normalement bah samedi c'est mort. Parce qu'anniversaire. Cycle toujours tombé. Non. Non, je ne tomberai pas. Non mais ouais, ouais franchement, ouais, ça m'intéresserait. J'aimerais bien. Putain, regardez en haut. Ça peut être intéressant. Poussez-vous. J'esquive. De violence. Ah, je vais trop vite. Bon bah, j'ai raté. J'ai quoi de mon ratage? Bah en vrai je suis présent sur mes streams. Après sur les streams des autres bah j'ai besoin de dormir aussi et puis de m'amuser aussi de mon côté entre bro ou de faire ce que j'ai à faire, ce qui est aussi extrêmement chiant mais. Ce qui arrive fréquemment. Et je suis censé aller où là? Parce que genre c'est bien tout ça mais bah je dirais par là du coup. Non, c'est l'inverse. Ah non. Bah ouais, ouais c'est sûr. On peut pas être partout, ça c'est clair et net. Ça fait 40 minutes que je suis là-dessus. Je sais pas pourquoi je fais ça en fait. Je devrais arrêter et juste aller en bas en fait. Acrobate. Réaliser un double saut et 5 dash sans toucher le sol.
Ah, c'est bon. J'aurais dû aller prendre le checkpoint en vrai. Je suis bête. Ok, bonne soirée CDX. Mais non! La licence de... Ah, ma licence de cœur, bah... Ça dépend. Ça dépend. Ah. Ma licence de... Bon, en fait, j'ai plein de jeux coup de cœur. Il y a eu Mudora Under the Moonlight qui était vachement cool. Il y avait eu The Talos Principle qui est une tuerie monumentale. Merde. Les licences Mario, bien sûr, parce que moi, bon, bref, ça c'est toutes les licences que j'apprécie énormément. Même si en vrai, il n'y en a qu'un seul que j'ai surkiffé. La licence Zelda aussi. Ah! Licence Zelda aussi qui est extrêmement bien. Ah! Ah, nickel. Ensuite, il y a quoi d'autre? Je sais pas trop. Ih! Non. Ah bah c'était rapide. Ah, je suis bête. Castlevania aussi, j'ai beaucoup apprécié. Castlevania sur, sur GBA, Game Boy Advance. Ou DS, je sais plus. Bah, Kingdom Hearts, j'ai jamais vraiment pu y jouer, donc... sur le papier, c'est compliqué d'aimer un jeu auquel on ne joue pas. Ah, c'est bête. Ah, j'étais presque... Non mais en vrai, j'avais voulu y jouer Kingdom Hearts, mais malheureusement, je n'avais pas la console, du coup j'étais coincé. Presque. Ah, Rim, je ne connais pas. Mais alors pas du tout. Mais alors... même pas de nom. Life is Strange que j'ai effectivement déjà vu. Je n'ai pas joué au jeu mais... j'ai regardé un let's play. Si, un jeu que j'apprécie aussi, c'est tous les jeux d'aventure style... Tomb Raider et Uncharted, ils sont vachement bien. Siberia, je connais pas non plus.
Ouais, Lara Croft. Lara Croft, Tomb Raider. Tout le jeu dans ce style-là. Oh. Ah, mais c'est pas possible! C'est pas possible! Bah, en vrai, ça se ressemble beaucoup. C'était obvious. Il y a aussi la série des Sniper Elite que j'adore. Ça, c'est plus parce que j'adore le sniper qu'autre chose. Ça. Quoi? Mais qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de niquer le jeu. Bon, après, c'est fait exprès. Hein. Non, mais j'apprends à jouer en même temps, donc c'est pour ça. C'est pour ça que je trouve que le jeu cheatait alors que pas du tout. Ah! Je fais tout. Non! Orage flantier. Je sais pas ce que j'ai avec le principe de sauter toujours avant de faire les trucs indispensables. Voilà. Beaucoup plus simple d'un coup. Moi j'ai beaucoup de mal avec les point and click parce que c'est trop lent. C'est beaucoup trop lent. Moi j'ai... Enfin, c'est pas que je les aime pas hein, parce que j'avais commencé deux point and click, dont un qui était largement mieux que l'autre. Celui que j'ai préféré c'était Yesterday, je sais pas si tu connais. Genre Resident Evil, Silent Hill. J'ai fait Resident Evil 1 et 2, j'ai jamais fini le 3 parce que trop... Bah trop de Resident Evil, tout le Resident Evil, hein, c'est assez simple. Ah mais du coup ma technique n'est pas si nulle que ça. Saligo. Wouh! Je te parle des films interactifs, là je suis en larmes à chaque fois. Ah ouais! Des films interactifs d'horreur? Ah oui, oui! Ah oui, oui! Pas des films interactifs. Oui. Mais d'ailleurs, je savais même pas qu'il y avait des films interactifs d'horreur. Ah! Ah oui, oui, si, je vois de quoi tu veux parler. Ah, je sais plus le nom du jeu. Oui, où tu fais des choix, t'es avec une troupe de gosses et Et ils vont dans une forêt où il y a des où il y a des hommes qui ont mangé de la chair, du coup ils sont transformés en des trucs chelous. Et tu peux choisir de tuer des gens en fonction de tes choix.
Mais non! Je suis une fusée. Ouf. Nice. Ah, je suis content. Moins accueillant ce niveau. Beaucoup moins accueillant. Wow. La merde. Détroit, Heavy Rain, Aiden Agenda, Beyond. Ah, Beyond Two Souls, je n'ai. J'ai jamais fait. Ah oui, Beyond Two Souls. Ah oui, j'ai failli confondre avec un autre jeu, donc. Mauvais de moi. Enfin, en même temps, j'ai pas beaucoup joué aux jeux PlayStation, donc. Tout s'explique. Tout s'explique. Non, Heavy Rain, si, je connais. Détroit Become Human, du coup. Et Aiden Agenda. Je ne vois pas, mais ça doit être dans le même style, je suppose. Je suis le pire. En vrai. Faudrait tellement que je change de jeu. Je pourrais passer sur un jeu moins vénère. Ah bah raté. Bah en vrai le PC c'est ce qu'il y a de mieux. Sauf que bah t'as les exclusivités que tu ne peux pas avoir. Et du coup forcément là le. La console devient intéressante. Parce que le principe. Enfin le truc vraiment intéressant sur PC c'est que les jeux sont moins chers. T'as quoi d'autre qui est intéressant? Tu peux hacker des jeux si t'as pas de sous. Enfin t'as beaucoup d'avantages quoi. Bon par contre ouais, il n'y a pas de musique, c'est un peu comment dire, option. Ah, The Last of Us, le dernier de nous. Ouais, je connais de nom. J'ai jamais joué parce que pas vraiment le. Oh merde. C'est pas vraiment le truc qui m'intéresse de ouf, mais. Ah, je suis aveugle. Oh. Waouh, putain, c'est spécial. Putain, faut comprendre. Hein.
Le PC de base était simplement pour les lives. Ah d'accord, ok. Et du coup, faut que j'aille où? Eh! Ok. Choisir. Ouais, c'est plus safe. Pas du tout. Qu'est-ce que je fais là? Ouais, de l'autre côté. Ah. Attends, quoi? Mais du coup, on peut pas. Ah, c'est par là! Putain, mais je suis complètement con, moi. Ah, d'accord, ok. Bah oui, après, c'est vrai que les jeux comme ça, c'est vrai que c'est sympa. Merde. Et zut. Chez ceux. Nice. Non. Par là? Oui. Non. Salaud. Non, je suis une fusée. Hop. Non. Mais où que suis-je? Wow. C'est bon. Piqué mosquito. Ah oui, les meuporgs. Ça, c'est le seul type de jeu par contre auquel je ne joue pas. Parce que je n'apprécie. Ah. Je suis pas vraiment pas fan de ce type de jeu.
Ouais, je fais des bruits bizarres. C'est normal. Wow. C'est bon. Non, c'est bon. Oh. Tac. Bah en fait, Nours et K.O. y jouaient un soir en live, j'ai trouvé ça bien, et Nours a eu la gentillesse de m'offrir une clé. Car j'étais à l'hôpital en plus. Oh putain, quelle horreur. Enfin d'être à l'hôpital, je parle. Mais ouais, putain, c'est cool. En plus, ouais, c'est Elder Scrolls, ouais, c'est... Ça doit être sympa, effectivement. Ah merde, ils m'ont tué. Allez, salaud. Ils m'ont eu. Ah! Wow. Wow. Mais non. Mais il ne m'aime pas. Ah, c'est le temps total de jeu. Hein? Wow. Non. Et merde. Non, j'aurais dû dash, mais je l'ai pas fait pour une raison qui m'est inconnue. Ah bah c'est pas facile. Waouh. Ah mais je suis bête, je peux sauter. Bah ouais, c'est bien plus simple d'un coup. Non, je suis une fusée. Après, faut aimer le genre de jeu aussi, hein, c'est comme plein de choses. Il faut savoir l'apprécier. Si tu l'apprécies pas, ça sert à rien de y goûter. Enfin, pas d'y goûter, mais genre, si tu commences et que t'aimes pas, ça sert à rien de continuer, quoi. Bon, sauf pour certaines choses. A priori, comme on y parlait avec je sais plus qui, de manga, Death Note, perso, j'ai commencé. J'ai pas aimé, bon voilà, j'ai arrêté, c'est pas dramatique. Bon, je vais m'arrêter là, je pense, parce que ça commence à devenir une boucle sans fin assez insane. Ah, y a que 5 niveaux ? Putain, ah oui, d'accord. Bah, yonk.
Ouh. Ça arrête pas le jeu. On a le TF4, hein. Au bout d'un moment, si le jeu s'arrête pas, bon, je l'arrête, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Alors, du coup, bah, si tu veux, si tu sais pas quoi faire, on peut se faire du Dead by Daylight, si ça t'intéresse. Qu'est-ce que. Parce que sinon, je peux partir sur plein d'autres jeux, puisque j'en ai plein. Mais si tu veux, si on peut faire du Dead by Daylight, tout simplement. Tac. Et si les autres veulent aussi, hein. Ah, t'es déjà couché. Tant pis. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont partantes pour du Dead by Daylight, comme les amis. Bah non, 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 non. Enfin, ouais, c'est vrai. Enfin, quoique, bah oui, si elle se lève à 6h, forcément, il vaut mieux qu'elle se couche au bout d'un moment. Du coup, qu'est-ce que j'ai comme jeu? Si, j'en avais acheté un il y a peu de temps. Hop. Ah oui, il y avait Orc Must Die que je n'ai pas continué. Du coup, bah, c'est parti. On va continuer sur du Orc Must Die. Comme ça, on avancera. Parce que le jeu est très court, donc. Donc, on va continuer dessus. Ça devrait être ok. Alors, démolir des orques parce que mes titres Twitch sont les meilleurs, je t'ai pas du tout. Orcs must die, voilà, les orques doivent mourir. Tu vois une mamie, tu penses à moi. Alors, pas exactement parce que là je pense à une mamie qui a une moustache blanche, je ne pense pas que tu aies une moustache blanche sur le papier. Ça me paraît compromis. Tac. Orcs must die. Tac. Et pef. Ouais. Ah oui, mais c'est là, c'est pas le. Ah oui, si, elle a joué Orcs Must Die 2, effectivement. Moi, je joue. Enfin, je sais pas si elle joue au premier, mais. Premier qui est un peu vieux, là, quand même. Hop. Je t'ai mis un. Pas encore, ça a pas tardé. Alors, ah oui, j'avais ça que je voulais améliorer. Bon, on verra, on a encore le temps. Une fois, j'ai demandé au vieux ce qu'il se passerait si les orques atteignaient notre monde grâce aux failles. Il a pris un air grave et a dit « Passe les portes de la forteresse et regarde les ruines de l'au-delà. Là, tu en auras une idée. » Donc ouais, j'aurais juste pu dire que ça serait moche. Les blagues nulles en début de map. Alors, ouais, c'est plutôt embêtant ou pas embêtant? Ici, il y a quoi? Ici, il y a rien du tout. Il y a que dalle là. Mais du coup, ouais, du coup, il va falloir que je bloque ici. Donc, il va me falloir des barricades. Il va me falloir des pièges. Il va me falloir ce truc rigolo. Et est-ce qu'on peut mettre des archers? Ah bah non, puisqu'ils arrivent de par là. Ah merde! Ah ouais! Ah ouais!
Ah ouais, les archers, c'est mort en fait. Par contre, les flambeurs, c'est toujours OP. Et en plus des flambeurs, on peut mettre des pièges au plafond. Non. Des pièges murales, genre là. 7. Ouais, ça me paraît moche en vrai. Bon, on va tenter et puis si je sais que ce que j'ai envie de faire, je le fais, sinon je le fais pas, tant pis. Hop. Allez, on converge la horde. Je suis trop bête. Je suis bête, mais bon, c'est pas grave. Ah bon? Ah, c'est toujours là-haut. Merde. Allez, petite sulfateuse des familles. Allez, le décès. 4. J'ai un cadeau pour toi. Pour toi aussi, ils sont en bas. Ils arrivent. Nice. Ouf. Ça passe. On va mettre ça comme ça, ouais. Et puis tac. Ouais, ça va être compliqué de... Ça va être très compliqué de gérer les deux, mais bon. Nice. Bon, j'ai toujours pas de sous. Plutôt embêtant. Hop. Ça fait vraiment des ans. Mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa de jouer à un jeu comme celui-là entre potes.
Après bon, il y a des petites blagues donc ça passe. Puis pour le prix du jeu. D'ailleurs, c'était vachement rigolo quand j'ai acheté le jeu en solde. Le jeu avec le DLC et plus le second était moins cher que mince. Comment on appelle ça? Était moins cher que le deuxième avec les DLC. Du coup, j'ai eu le 1 gratos entre guillemets. Genre le 1 et le 2 avec tous les DLC me coûtaient 5,80€ je crois. Et seulement le pack avec les deux me coûtait 5,50€. Vous ne passerez pas. Ah. C'était très compliqué, mais c'est passé. Du coup, logiquement, ce que je devrais censé faire, ce que je suis censé faire, c'est voilà. Et du coup, on met ça, ça, un autre piège là. Même un autre piège là. Non, attends, c'est l'inverse. On va remettre un là. Je sais pas. Je sais pas ce que je peux mettre de plus. Mais je peux en mettre un là. Plus facile là-haut. Nice. Bah du coup ça me paraît compromis s'il y a encore d'autres mobs excessivement roulou. Donc, il va falloir remettre du feu ici. Et on peut remettre là. On peut mettre des pics aussi. Ah oui, c'est vrai, il y a les chasseurs aussi. Les chasseurs qui sont ceux qui détruisent les barricades, bien sûr. Je les ai pas rencontrés encore, donc c'est une très bonne nouvelle, mais nice.
Hop, du coup on va remettre de nouveau des pièges comme ceci. Comme ça eux ils vont avoir du mal à passer. Ah oui d'accord, là-bas ça passe plus du tout. Nice! Parfait! Ouais, pas de soucis, bah passe une bonne soirée, une bonne nuit, Lady, et puis à la prochaine, merci d'être passé! Merci beaucoup! Tchuss! Il fait nuit dehors. Piège à vapeur. Je me sens plus connecté aux failles chaque fois que j'en défends une. C'est comme si elle remplissait ma tête avec. De l'intelligence. Oh mon Dieu. Forcément, ça veut pas du tout dire. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, j'ai compris. Donc, du coup, il voudrait que j'utilise ça. Il me faut absolument des barricades, bien sûr. Attends, quoi? Oh là là. La magie. Mais je suis trop bête. Oh, je suis trop bête, putain, mais j'ai même pas pris les pièges quoi. Je me sens plus connecté aux failles chaque fois que j'en défends. B, alors piège à pique, piège à flèche, paladin, caisse, poussoir et piège avant. C'est bête parce que ça coûte moins cher de mettre des archers.
Ouais, je vois pas trop l'intérêt du coup. Je sais pas. Oh, c'est pour ça. Nice. Juste là, ça fait du bien. Ça, ça va leur plaire. Pas de bras, pas de chocolat. Ça a pété ici, c'est sûr. C'est obvious, c'était obvious de ouf. Nice. Ah mais du coup c'est couillon. Ouais parce qu'ils vont pas passer dessus. Hop, on va mettre ça là. On va mettre ça là.
avec mes petits orcs. Hop, nice. Il ne reste plus que deux vagues. Tac. J'aime bien celui-là. C'est débile. C'est débile sur 20. C'est débile sur 200 même. Paf. J'aurais peut-être assez pour mettre un piège de plus. Qui sait. Plus mal à moi qu'à vous. Non, attends, c'est l'inverse. Tout à paix. Oh, j'ai encore de l'argent. Attention, volant. Je serre l'or. Nice. J'ai pas vu les améliorations. Les poussoirs. Ah, c'est pareil que le bumper, mais enfin le truc qui te propulse, mais sur les murs. Ce qui est un petit peu plus intéressant. Tiennent encore les forteresses. Non mais t'es sérieux? Mais c'est une horreur. Waouh.
Oui. Amélioration. Les poussoirs étourdissent les ennemis. Alors non, ça ne m'intéresse pas. Alors les pics, c'est bien. Il n'y avait pas un truc genre coûte moins cher, c'est ça. Les barricades sont moins chères. Oui. Oui, de ouf. De ouf, c'est moins cher. Pareil. Allez, on va s'en faire une dernière. Re-Sidix. Hop, et ce coup-ci, en build, on va faire les pics, les... ça, avec les poussoirs. Ah, il coûte pas cher, c'est cool. Et ça... c'est vrai que des flammes, c'est toujours cool. C'est toujours, toujours cool. La rumeur prétend que de nombreux mages de guerre tombent au combat. Je me demande combien d'entre nous tiennent encore les forteresses. Je l'aime bien, celui-là. Voilà. Hey, let's go! On va leur casser la bouche à ces orques. On peut pas avant. Merde, on peut pas vendre entre les vagues quoi. Parce que du coup c'est un pic qu'il faudrait là, un pic qu'il faudrait là. Et puis c'est tout hein, parce qu'après... après c'est niqué. Ah si, c'est bon, j'ai pu. Ah non, j'ai pas pu vendre ça du coup. Merde, oh là là. J'adore comment il court, c'est génial. A priori ça coûte moins cher quand même les pics. Ah ouais, mais non c'est normal. Normal parce que ça c'est juste insane en fait. Ça c'est juste insane de ouf. Je sais pas c'est quoi le vraiment le plus rentable. Et là je pense que d'ailleurs ça va être commencer à être la galère par ici. Sur le papier.
On met des flammes en plein milieu, comme ça pourra toucher pas mal de gens. Et ce qu'il va nous falloir, c'est... parce que là, c'est... Je suis bête parce que là, j'ai rien du tout. J'ai rien, rien, rien du tout. Les pièges, c'est trop bien. Ouais. C'était obvious. Alors. Ça va faire mal. Ça va brûler surtout. Comme ça. Peut-on avoir trop de pièges? Je ne crois pas. Tout est bon dans l'orgue. Ça va chatouiller la plante des pieds. Bien sûr. Ok, ça m'a l'air pas trop mal. Ah non, de l'autre côté, c'est pas scrème de ouf. Hein. Nice. C'est cool. Ça, c'est très cool. Je vais peut-être réorganiser un peu ça parce que c'est un peu dégueulasse. Nice. Thank you.
Ah, il y a des actes. Ouais, pas de soucis. Bah, tu sais, je vais y aller aussi, Silix. Je vais y aller aussi parce que moi aussi je bosse demain. Du coup, passe bonne nuitance et puis bah, la bise. Allez, tchuss. Puis moi, sur ce, je vais arrêter le. Ah, petite cinématique. Désolé. J'étais un mauvais professeur, mais il était le pire des étudiants. Idiot et trop entêté pour se concentrer sur l'essentiel. Voilà pourquoi l'ordre nous a réunis. Ils envoient leurs meilleurs éléments apprendre auprès de mages de guerre plus patients, et je récupère les restes. La bonne blague. Ces jeunes gens talentueux sont morts ainsi que la plupart de leurs maîtres. Ils ont donné l'envie de protéger les failles. Le monde reste condamné, bien sûr. Il ne reste désormais plus assez de mages de guerre. Mais ça me ferait bien rire que le dernier debout soit lui. J'ai contacté les tisseuses de l'ordre de l'autre côté de la faille. Les tisseuses connaissent tous les ouvrages anciens. Elles devraient pouvoir me donner des trucs de magie. Mais du coup, je comprends pas, qu'est-ce que j'ai eu de plus là? Mais j'ai rien de plus. Bon, et bien sûr ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et puis, souvenez-vous que demain, Stream Humor est toujours actif. Et vous aurez le plaisir d'avoir, si je me trompe pas, Cidix effectivement sur Hand of Fate, qui est un jeu de cartes. J'espère que vous serez nombreux pour, le soutenir et voir et découvrir ce jeu si vous ne le connaissez pas, perso, ce que je vais faire. Parce que je l'ai, mais bon. Je suis pas trop fan des jeux de cartes. Du coup, je fais de gros bisous à tous et puis à la prochaine. Salut, salut! Tchuss.